Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 78e épisode sur Project Zomboid. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui ce qu'on va faire, on va aller récupérer, on va aller pêcher. J'ai envie de manger un petit peu de viande, j'ai faim de viande. On va récupérer toutes les cannes à pêche qu'on a ici, enfin pas toutes mais on va récupérer une bonne partie de cannes à pêche. Moins 3 ou 4, je sais pas à quelle vitesse elle se casse. Surtout du fil de pêche. Pareil, j'en prends plusieurs, je sais pas si elle se casse vite ou pas. Les leurres, on va les prendre. Et puis des nasses. Nasses, on va en prendre 4. 4, ça suffit. De pêche, allez, on va en prendre. Je sais pas si... non, c'est utilisable plusieurs fois en plus, donc... hop, hop, voilà. Et on va les... J'ai éteint, je voulais pas éteindre. Merci. On va aller. Hop, donc nous, on est ici. Et on va aller pêcher, là, juste à côté. Il y a plein de... Là, là, dans ces maisons-là, il y a des petits quais à chaque fois. On va aller pêcher là-bas. On va se poser, on va prendre une maison à côté. Sans électricité, oui, c'est pas gênant. À moins qu'on ait... En train de réfléchir à un petit truc là. Et on a un générateur. On va prendre le générateur. On va pouvoir conserver le poisson. Ramasser. On va pouvoir conserver le poisson dans un frigidaire. Là-bas il y en a. Et lui, il y a un peu d'essence dedans. On pourra siphonner un peu. Le véhicule. Et il pleut. Pourquoi il pleut? Non, c'est pas ça. Merci. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre... Pala. Ça et ça dedans. Voilà. Allez, vite. Elle est fatiguée. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste aller... Vas-y, monte. On va juste aller nettoyer la maison. Les alentours. Mince. Les alentours de la maison, comme ça on va être tranquille pour commencer dès le lendemain matin la pêche. J'espère que j'ai tout. J'ai très rarement pêché dans PZ. Et la mode, elle ressent le besoin de manger du poisson. Pas de lapin, il n'y a pas de renard, il n'y a rien. Y a pas de chat errant, sinon on aurait mangé du chat. Moi j'en suis capable, je mange du chat, moi je mange tout. On va pouvoir revoir quelques zombies parce que là ça a commencé à... Ça a commencé à être un petit peu trop calme. On peut traverser. Je crois que oui. Sans taper là, ça serait bien. Moi, j'avais demandé sans taper. Y a rien pour couper l'arbre. Elle est sortie de là, elle. Elle voulait pas nous laisser tranquille et là on passe pas. Ok, comment une simple excursion peut tourner au... Je vais pas y arriver. Ça y est. Oh là là! Allez, Devil, réveille-toi là! C'est pas bon! Tu fais n'importe quoi! On va contourner par là. Là, on avait fait un gros massacre aussi avec la. Côté le Molotov. On avait bien nettoyé tout ça. Le seul endroit où je prends, on peut pas passer. Ça y est, c'est bon. Allez, Devil, là, réveille-toi parce que t'as du... Tu vas avoir une accueil chaleureuse, là. Boire. Hein. Ah, y a du monde encore hein, dans Louisville. On est loin d'avoir tout nettoyé. Oh oui, oh là là, oui.
Eh bah dis donc. Alors là, je sais plus. Est-ce qu'on est trop bas peut-être? Il faudrait qu'on arrive à couper. Ouais, on peut y revenir. Que ça passe au moins si on fait ça. Ça devrait passer. Ça devrait, j'ai dit. Ça va pas passer. Ça va pas passer. Par là. Eh, j'ai le don de prendre les mauvaises routes, moi. Voilà, là normalement il y a des maisons en bout, en bord de rivière. Faudrait qu'on refasse le plein aussi, véhicule. Alors une petite maison tranquille. Que celle-ci est bien. Ouais, trop bien. Eh, quand je vous dis que je fais toujours les mauvais choix, c'est incroyable. Ça me paraissait bien propre de devant, mais c'est pas la bonne. C'est pas celle-ci qu'il nous faut. Celle-ci a l'air mieux. Allez, mode, tes premiers zombies depuis plusieurs jours là. On coupera, on démontera des meubles, récupérer des planches, essayer de barricader ça là. Ça va, ça a l'air bien bien calme. Les arbres, on peut pas. Ah si, on peut les couper, mais qu'est-ce qu'on a qui... Une hachette. Bah oui, elle est équipée, la hachette. Eh, vous m'avez fait peur, vous. Oh, il y a du monde. Il y a du monde. Bonjour, mesdames. Bonjour, messieurs. Je ne suis pas au meilleur de ma forme aujourd'hui. Allez, mode. Toi, tu l'es. Ça vient encore, on est fatigué. On va aller voir pour nettoyer la maison déjà. Ah, ça a l'air calme, ça va. Espérons qu'il y a un frigo quand même dans cette maison. Ça serait le comble qu'il n'y en ait pas. Oh, ça me paraît bien vide. Ça va. Il y a du monde devant. Je crois qu'il nous casse les fenêtres. J'ai entendu quelqu'un. Ou alors c'est à l'étage. Ah non, il est là-haut. C'est cool quand ça se déroule comme ça. Bonjour. Vous avez pas une canne à pêche? Oh, une ampoule. Bien pour les ampoules en même temps. Ne l'oublions pas. À faire. Il y a à manger. Il y a à manger, parfait. Petit zombie là. Là, faudrait qu'on ferme. Et deux petits zombies là. Bonjour. On peut poser les nasses. Placer une nasse. Il y a du monde derrière. Là, il y a du monde. Non, je deviens fou. Pourquoi tu veux pas placer une nasse? Pourquoi t'as pas... Pourquoi tu veux pas placer une... Bah,
Avant, on avait juste ça à faire. C'est une nasse. Ah bah voilà. On va juste les mettre là pour la nuit. Hop là, pardon. Voilà. Là, c'est une nasse. Hop. C'est juste pour la nuit. Après, on les éloignera un petit peu plus. Donc, je sais pas si ça va fonctionner. Quelle sauce les autres. On va mettre l'autre au-dessus là-bas. Et après, on va aller faire un gros dodo. Honnêtement, s'il n'y en a qu'une qui marche pour le début, c'est Samira. Hein. Pour le premier lancer de la canne, de la ligne. Fermé. Par contre, tu peux rééquiper. Ah, et remettre une pile. Une pile. Non, t'as pas de pile. Ça, c'est pas cool. Y a pas une maison, une chambre, pardon, qui a un balcon, non? Générateur, je vais devoir le poser dehors. Pas avoir le choix. Il y a un zombie encore à côté. Siphon, siphon. Prendre, ramasser. Là, tu peux juste tourner un petit peu. On va remplir le bidon, ça. Elle a posé le générateur par terre. Ramasser le groupe électrogène. On va le mettre derrière la maison. On va le mettre derrière la maison. On va le placer là. Hop, ajouter du carburant. Ensuite, on va le brancher. Et en espérant ne pas attirer tout le quartier. Voilà. Maintenant, dodo. Bon bah, ça commence. C'est où? C'est à l'étage. Non, c'est pas l'étage. Où c'est? On va aller voir, faut aller voir parce que... J'ai l'impression que c'est en dessous. Je vois pas où c'est. Où est-ce qu'il est? Derrière là peut-être? Ah oui, il est là, ok. Ok. Maintenant derrière. Ah, qu'est-ce qu'on a? Ampoule. Donc, j'allais dire, il va falloir qu'on en trouve. Bah, c'est fait.
C'est la boîte de conserve, on va juste prendre celle-ci. Bon, j'espère que le générateur va tenir un petit moment quand même. Vite, bois rempli. Tout. Métablocant, on prend. Pansement, on reprend aussi. Jamais. On ne sait jamais. Ça, tu peux mettre ça là. La tasse remplie d'eau, ça. Il est 22h, on va aller au dodo. Bien simple. Même allumer la lumière. Et on va faire un gros dodo. Par contre, avant, on va juste manger ça. On va ouvrir ça. Et niveau poids, tu es stable. Et bah tu vas te coucher comme ça. Tu vas fumer. Et tu vas dormir. Allez ma petite chérie. Hop, dodo. C'est parti mon gros dodo. Le lendemain, on pêche le requin. Vous allez voir, je vais ramener un requin ou une baleine. On va se régaler. Par contre, ils ont tout changé, je crois, sur la pêche. Je sais plus comment on pêche. Je l'ai très très peu fait. J'espère qu'on va réussir à pêcher un petit poisson, quand même. Pouvoir se faire des bons petits poissons. Alors, déjà le générateur fonctionne toujours. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le couper, il sert à rien. Ah, c'était vraiment pour la nuit. C'est dommage que ces lampadaires, on puisse pas les prendre là. Ça aurait été tellement bien. Bon, j'ai pas pris le meilleur ponton. Il y a des pontons où il y a du monde là. Il y a des pontons où il y a des petites cabanes et tout. Vérifier le piège. Et on a un petit appât. 4 petits appâts. Chut. Vérifier. On a eu 3 dans celui-ci. Et c'est pas mal. Hein. Pas mal du tout. On a eu 2 ici. Et celui-ci. 2 ici. Oh, toi, je t'ai vu. Toi, je t'ai vu. Pourquoi vous voulez pas me laisser pêcher tranquille? J'ai peur que pendant qu'on pêche, on soit dérangé, honnêtement. Et là, ça serait pas bon du tout, quoi. L'idéal serait peut-être, mais je n'ai pas de clou. On va démonter ça. On va récupérer des planches et des clous. Et puis là-bas, on va se faire un. On va se faire un mur quand même. J'ai pas confiance là. Allez, démonte ça aussi. On a 2 planches de clous. Il va en falloir hein, de la planche. Hop, démonte ça. On mangera par terre. Pas grave. Hein. De toute façon, c'est la fin du monde, alors. C'est l'apocalypse. Ah, c'est déjà mieux. 4. Ou alors on mangera debout. Hein. Avec ça à faire, je pense. C'est bien de manger debout. Hop, prends-moi ça. Et puis la dernière, là. La petite chaise, regarde comment elle te regarde. Démonte-la. Évidemment. Ouais, inutilisable. Hop.
Fondation de mur. On va faire une petite fondation de mur juste là. Attends, mets-toi de l'autre sens. J'ai pas confiance. Là. Là, tu vas faire un cadre de porte. Et là, on n'a qu'une planche. Ah. Ah. Il nous faut 4, 5 planches. Une porte, je crois que c'est 4 planches. Ouais. Il nous manque 5 planches. Est-ce qu'on peut avoir 5 planches? On les lit là-haut? Ça va être le plus simple, je pense. Évidemment, là, c'est pas une chambre. Ah, un bureau, ça va donner des planches. Et le bureau démonté. Une seule planche. Bah, on est mal barré avec ça. Ici, un petit canard en plastique. Ah oui, mais non, ça faut démonter le lavabo. Là, il y a une armoire à démonter. Une armoire et un lit. Un fusil à pompe aussi. C'est bien ça, un fusil à pompe. On en a assez. Arrêtons. Donne-moi des planches. 4 planches d'un coup. Ça, c'est cool. Je crois qu'il nous manque une planche. Tu peux démonter le grand lit. Ben voilà, 4 planches et 6 clous. Il nous faut 2 charnières et une poignée. Et puis on est tranquille, on peut aller pêcher. Démonter la porte. Et ben on prend tout ça. Hop là, on a tout ce qu'il faut. On va être essoufflé comme je sais pas quoi, mais bon. Encore que ça devrait peut-être pouvoir le faire. On va faire construire porte. Et là, on va faire un mur de niveau 3. Hop. Bon, à moins que les zombies savent nager, on devrait être tranquille. Les planches, on met ça là. Ça, on met ça là. Les planches, on met ça là. J'en ai pris 10 fois de trop. Les clous aussi pour l'instant. Ça, tu peux manger ça parce que t'as faim. Et on va pêcher avec des appâts. Comment ça fonctionne? Alors, si on fait pêcher. Pêcher. Ah, on peut pêcher à la lance. Mettre ça dans le dans l'inventaire. Comme ça, on regardera au fur et à mesure avec la canne à pêche. Et on va mettre des appâts. On va vérifier en même temps. La pêche. La pêche, on est à 2. Et là, il a rien eu, je crois. Ah si, une boîte de conserve vide. Pas mal. Pas mal, pas mal. Non, c'est bien, hein, boîte de conserve vide. Avant, ça marquait ici, je crois. Là, on pêche rien. Je sais pas s'il faut faire un truc ou pas. Là, on a rien du tout, on prend rien.
Ouais. Ah bah non, on n'a même pas pris la boîte de conserve, c'est moi qui ai mangé la boîte de conserve. Moi qui ai mangé la boîte de conserve, donc on n'a rien pris du tout. Ah, on a pris un 25, donc ça veut dire qu'on a pris un truc. Même pas. Oh, c'est extrêmement long, hein. Rien du tout. On prend un peu d'XP, mais on prend pas de boisson. Ah, un petit brochet, ça y est. Ah, notre premier poisson. Petit brochet, 58 cm. Ça, c'est cool. Est-ce qu'on a pris... Ouais, on a pris 4 à peu près. 4 d'XP. Extrêmement long, hein. Donc j'ai raison, c'est bien marqué ici quand on prend un truc. Il y a 95% d'abondance pour la pêche. Ok. Et ben on va se raconter une histoire en attendant. Hein. Je sais pas. Par contre, pourquoi tu prends un leurre là? Je pêche comme ça, s'il te plaît. C'est pas assez forte encore pour pêcher avec le leurre. Parce que de mémoire, il fallait que la pêche elle soit bien augmentée pour pouvoir avoir du poisson avec les leurres. Je crois que c'était comme ça. Parce que sinon, les leurres, on peut les perdre. Il y avait un truc comme ça, il y avait un délire. Je suis content, on a pris un poisson là. Petit brochet. Un petit brochet qui nourrit à 32. Donc j'imagine si on pêche, c'est un requin ou une baleine. Voilà, accrochez-vous, on a mangé pour une semaine. Allez, pêche un autre petit poisson. Non, elle a pas envie. Compliqué la pêche hein. Allez, t'étais une ancienne carpiste là, sors-nous une belle carpe, sors-nous un silure ou une baleine, sors-nous un poisson. Toujours pas. Après ça augmente quand même. Augmente quand même. Je pensais pas pouvoir pêcher au mois de janvier. Au petit poisson quand même. Allez, tu nous fais se lancer là et puis après je vais aller le cuisiner. On va se le manger. On va se le manger ce broche. Hop. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Bonjour. Non, personne. On est tranquille. Belle journée de brouillard. Il y a un four? Ouais, c'est bon. Allume. Et là, tu vas nous mettre ton beau petit brochet là à cuire. Dommage, il y avait une belle soupe là. Un ragoût. On aurait pu se régaler. Oh, des fraises. Je voulais manger des fraises, moi. Préparation pour pancakes. Pareil, la cuisine, il y a tellement de trucs à faire. Je sais pas si...
Je sais pas comment on fait, je m'y suis jamais attardé quoi. Ça, on va garder. Ah non, tournevis, on peut le ranger. La pile, on va pouvoir équiper directement. En secondaire. Ajouter une pile. Ça c'est fait et ne pas la laisser allumer la nuit. Y a personne là. Veuillez aller chez les voisins s'il vous plaît. Merci. Ils veulent me voler mon poisson! Allez-vous-en! C'est mon poisson. Oh, il est cuit. Il va cramer. Découpé en filets. Oh, il y a deux filets. Deux filets qui nourrissent à 20. On va le manger. Oh, qu'est-ce que c'est trop bon. Et là, on peut se préparer une salade à base de poisson au hasard. On va mettre un poisson au hasard. Voilà. Ça nourrit à 10. Ça nourrit plus parce que de base, ça nourrissait que de 20. En fait, une salade, ça nourrit de 10 et le reste de 12. On va pas manger, on est repu. Par contre, faut qu'on éteigne parce qu'on va... Et ça aussi, on éteint. Allez hop! On retourne pêcher, on est en forme. On va fumer une petite clope avant. Quand l'appétit va, tout va. Donc on repêche. On va pêcher à la canne avec des appâts. Tatin, tatin. Ah d'accord, on peut tourner sur le même. Étoile. Ok. Allez. Un petit poisson. Je veux un petit poisson. Non, toujours pas. Bien compris. Je dis à chaque fois, je sais, mais il va falloir qu'on augmente la recherche aussi. Ça pourrait être pas mal. Pas fait gaffe tout à l'heure. Est-ce qu'il faut que le chargement soit terminé? Oh, il y a une mouette! Pour avoir un poisson ou est-ce qu'on peut l'avoir pendant le chargement? On va essayer de regarder ça. Là, pour ça, faudrait avoir un. Poisson, pourquoi tu te réveilles jamais? Rien. Non plus. Eh bah dis donc. Je savais que ça allait être aussi compliqué que ça. Ah, je me suis dit non. Mais non, voilà. Toujours pas. De toute façon, on arriverait mieux à pêcher avec la lance. On va essayer au prochain avec la lance. Avec la lance artisanale après. Même en même temps pour voir la animation. La lance. Allez, tu peux l'avoir. Tu l'as raté. Allez, vas-y, tu peux l'avoir. Oh, mais pas un coup de feu ici, quoi. Tu l'as raté encore. Ah, t'es vraiment pas doué, hein. Vraiment pas doué. Moi pour la pêche.
Allez, un petit poisson, quoi. Très bien. Elle a pas l'air de s'user la canne à pêche. Enfin, du moins pas beaucoup. Parce que si, c'est sûr, elle s'use. Allez, au moins un poisson à la lance, quoi, s'il te plaît. Et après, tu pêches avec un tournevis. Alors, c'est amusant. Veut pas, hein. Elle ne veut pas, ça va être extrêmement long. Ça va être long. Et... Ah. Elle ne veut pas, on va reprendre ça, ça. Ça on peut mettre là. Ça tu peux le manger. Pour l'instant ça tu peux le manger. Voilà. Allez vas-y, pêche là. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça on peut surveiller en même temps si ça vient en bas. Oh y'a rien quoi. On a pêché le poisson qui restait. Et il n'y en a plus d'autres. Voilà, elle a soif. Et si tu pêches là? Pêcher comme ça. Par contre, dépêche-toi, j'ai vraiment pas confiance là derrière. Toujours rien. Je veux un poisson, s'il vous plaît. Oh non. Bonjour, madame. Je priais de tomber, madame, s'il vous plaît. Abondance zéro. On regarde la terre. Bah, c'est normal, hein, docteur. Allez, on tue un zombie, on repêche. Et on va avoir un poisson. On va avoir un requin. Voilà. On n'a rien eu. Ça ne change strictement rien. Tati tati tata. Elle fatigue à pêcher, hein. Ça l'épuise, la pêche. Allez Maud, s'il te plaît, ramène-nous un requin. Il y a un truc que je fais mal, hein, c'est sûr. On en a eu 3. Le truc, c'est que c'est pas ça que je veux, moi. J'aurais vraiment préféré... poudre de coco, huile d'olive. J'aurais vraiment préféré avoir des poissons, quoi.
Là, on a plus que notre petit truc et les appâts. C'est pas cool. Moi, je suis déçu là. Là, je suis déçu de toi, Maude. Menuiserie volume 1. Ça pue. Mettre l'heure d'aller dormir, on n'a rien fait de la journée. Affolant. Tu vas faire au moins un truc de bien, regarde. Regarde ce que tu vas faire, ma petite mode. Hop. 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 Les petits burpees. Dans 30 minutes. Non, arrête-toi pendant 40 minutes parce que tu m'as pas pêché de poisson. T'es puni. Allez hop, un peu de sport. Voilà. Très bien. Après ta petite clope. Ça, tu peux la rééquiper devant. Ça, tu peux le mettre par terre. Tu vas fumer après le sport. C'est franchement, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Je vous conseille fortement. Il va pas te coucher avec une faim. Faire ton sac. Mange un paquet de chips. Elle a pas voulu manger. Et ton bol là. Mange tout. Là, bah, elle va prendre du bois encore. Allez, fais dodo. Elle va avoir des douleurs le lendemain. Mais c'est pour le punir. Ok. Oh, les poissons, ils étaient pas là. Ils étaient partis. Hein. Ça se trouve, là, ils vont être là. Hein. Poissons. Poisson, où êtes-vous? Ta mode arrive. Canne à pêche, hop, hop, hop. Allez, il y a 100% en plus. On peut avoir un poisson. Là, faut pas abuser. Eh ben, ça change énormément. Ça change tout. Poisson, pourquoi tu te réveilles jamais? Il n'y a pas des aquariums avec des poissons dedans, je vais les pêcher dedans, j'aurais peut-être plus de chance. Hein. Ouais, une chaussure, on a pêché une chaussure. Eh mais c'est trop bien. Et la chaussure, elle nous a bouffé l'appât. Là. Ah, une chaussette. Une chaussette, ça a enlevé 7. Mais elle commence à pêcher un peu plus. Ah, une deuxième chaussette, on a une paire. Oh, c'est trop cool, on a une nouvelle paire de chaussettes. Ah, ça monte bien là. On était à 80, on est à 92. Ça y est, il y a un courant qui nous ramène des chaussettes là. Allez, remonte des chaussettes encore. Mais par contre, pas avec ça. Ouais, fais gaffe, par contre, à chaque fois, c'est à la fin. Fais gaffe si c'était à la fin du chargement ou pas. Il y a un courant qui ramène des chaussettes là. Faut continuer, ne lâche rien.
Oh, j'ai fait quoi? Mais non, j'ai annulé. Oh, comment je les ai entendus, ils m'ont fait peur. Eh les copains, vous piquez pas mes appâts s'il vous plaît, hein, dans les nasses, hein, c'est les miens. J'ai du mal à pêcher avec, alors si vous me les enlevez. On va aller s'en occuper. J'ai pas confiance. Ils vont me les bouffer. On va aller les récupérer. Vérifier le piège. À 10. Et à 10 toujours. Il n'y a rien dans celui-ci. Dans celui-ci. On est à 14. Pas mal du tout. Oh, il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un. Je sais pas ce qui les a attirés, mais... Les poissons, peut-être. Ok, donc 14. Allez, 17. Parfait. On va se contenter des petits poissons. Ça part. Moi, j'ai dit ça part. On les a pas aussi. Ça se mange, hein. Les poissons, ils les mangent bien, eux. Et on est à 20, parfait. Là, on a de quoi pêcher 20 poissons. Avec 14, on n'en pêche pas un. Pas du mal, du moins. J'ai l'impression d'être suivi. Allez, enlève-moi les chaussettes porte-poisse. Hop. Et là, tu vas repêcher... Avec la canne et ça. Allez. Ça m'embêterait de faire un épisode que de pêche et qu'on pêche qu'un poisson, quoi. Au moins. Chaussures. Chaussures. C'est mieux que rien. Mais je préférerais un poisson. Ça a donné de l'XP, 107, ça donne 7 à peu près. Quatre à pas de perdu et une paire de chaussures pêchées. Après les appâts, on en a plein. Ça vient vite les appâts, ça c'est pas grave. Toute cette étendue là, vous allez me dire qu'il n'y a pas de poisson. C'est ça? C'est ça, Maud, que tu es en train de me faire comprendre là, il n'y a pas de poisson. Chaussettes? Encore? En tout cas, il y a des vêtements. Là, à mon avis, il y a des gens qui sont venus se baigner un soir et puis il y en a qui ont fait le con. Ils ont jeté les vêtements. Allez, un poisson. Ah ouais, mais là tu reprends le leurre, j'avais même pas fait gaffe. On les a pas. Et une paire de chaussures, mais c'est trop bien. C'est une espèce rare celle-là. Ah, les chaussettes, c'est pas les mêmes. On a deux paires de chaussures différentes. Du monde là. Et du monde. Et c'est tout. Laissez-moi pêcher mes chaussettes tranquille. Non mais oh. On va lui faire manger un peu. Pas de beurre de cacahuète parce que.
Elle a 82. On va juste y faire manger un quart de ça. Ça n'a rien fait. Et je vous jure, je vais finir par... Un qui tape par là. Je vais finir par... Par aller faire cuire les appâts. Hein. Je vais manger les appâts. Hein. Allez ma petite mode s'il te plaît. Chope-nous des poisons. Et la canne brisée avec une trombone ou un clou. Oh un petit brochet, il est plus grand que l'autre de tout à l'heure. Oui. Trop bien. Et bah voilà. Canne à pêche sans fil. Ouais, c'est en wifi. C'est une canne à pêche en wifi. Oh, c'est nul la blague. Et bah voilà, on a fait notre pêche. Oh, c'est formidable. Bonjour. Bon, au revoir. Oh, il y a du monde là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous faites dans ma maison? Maintenant, on va se le faire cuire. Et on va se régaler. Hop. Voilà, et on va pas le faire cramer celui-ci. L'autre, il est à deux doigts de cramer, par contre. Remplis. Non, tu remplis le vapeau. Pas le bol. C'est par terre. Voilà. On va se manger un bon petit brochet. Regardez-moi ça, cuisson. En plus, ça cuit très, très vite. Oh, elle salive devant son brochet. Ça a passé 3 jours à voir. Hein. Et il est cuit, ça y est. 44, ça nourrit. Eh bah, dis donc. Allez. Découpe en filet. Ça fait 2 filets de 22. Bon, au final, tout à l'heure, j'ai dû me tromper, mais ça devait être. Mange le entier. De plaisir. Et puis après, tu prépares un poisson au hasard. N'importe quel, pour celui que tu veux. Là, il nous reste 13. Tourner. Ah, bah non, parce qu'après. On... Ok. D'accord, donc ce qu'on va faire, c'est que la salade, on va la mettre là-dedans. On mangera ça. Là, elle est fatiguée, on va lui refaire faire un petit peu de sport. Faut tenir sa santé. Ton sac à dos. S'entraîner, burpees. 40 minutes. Allez. Tape. Pas maintenant. Il est tout seul, je crois. Bonjour, monsieur. Vous pouvez aller de l'autre côté, s'il vous plaît. Ah, j'aime pas ça juste après le sport comme ça. On est vraiment à bout de souffle, épuisé en plus. Ça. Ça va, elle s'en est bien sortie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dépêcher de mettre ça sur le dos. Hop, on remet la banane devant. Là, on est pas mal du tout. On a bien mangé et tout. On peut dormir 20h20. Niveau talent, la pêche est à une, ouais, presque à la moitié. Et à la moitié, peut-être près. Donc voilà, ça va être tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était Devil, portez-vous bien.
Ciao.